Nous sommes dans l'état de San Luis Potosí, mais en réalité, cet endroit en particulier s'appelle Viricuta. C'est pour les Indiens Huichol l'endroit où est né le soleil et où ils viennent faire un pèlerinage en partant de San Andrés ou de toutes les autres communautés Huichol, la Sierra Madre occidentale del Norte, et viennent ici faire le pèlerinage au Peyotl, qui est le fondement de leur culture. C'est probablement le lieu du monde où le contact à la réalité et au cosmos et l'appartenance au réel est pour moi la plus forte. Le Peyotl, qui est le ralliement spirituel, on dit que c'est un cactus hallucinogène. J'avouerai que moi je ne vois pas très bien ce que veut dire cette expression, mais peu importe, c'est un élément de leur culture qui est fondamental. Oui, je pense que c'est ici que j'ai pris une nouvelle conscience de l'existence, que je l'ai senti plus profondément que jamais, que c'est le symbole même de la vie, sans doute à cause de la dureté des lieux où il est tellement difficile de survivre. Entonces, nosotros exigimos que aquí el presidente de la República, que nos representa a toda la nación, cancele las 22 concesiones mineras que fue otorgado en esa zona. Y entonces, si queremos esa solución, señor presidente. Lo que pasa en Viricuta, queremos que sea un precedente histórico. Si Viricuta no se respeta, por lo tanto, no se va a respetar el planeta. Nos va a llevar a todo mundo a la ruina.